plantain, il est prêt. Plantain mûr à la vapeur. Là, je mets du riz au feu. Miam, miam. Je vais laisser un peu. Je mets un feu doux. On va faire du riz. Je vous dis que c'est une commande, non? La personne a commandé avec du riz. Il a mes zozo, zozo, zozo. Il a mes zozo, zozo, zozo. Ça, c'est du riz. Du riz blanc. Je mets tout. Hein. Je mets tout. C'est que le riz parfumé restaurant ne gonfle pas trop. Le chant de la marmite. Vous avez vu, non? Quand votre ndolé a cuit, vous faites maintenant frire les oignons de côté avec des crevettes. Bon, il y a souvent les gambas, là, les crevettes un peu plus grosses que ça. D'accord? Il y a des crevettes un peu plus grosses que ça. Vous pouvez manger avec du miondo, bobolo. Vous pouvez manger avec des miondo aussi. Ça, c'est le riz que je mets au feu là. Voilà, on met le riz au feu. Bon, pour certaines personnes, ce que je viens de faire là, d'autres préfèrent faire et laisser dans la poêle. C'est-à-dire quand tu sers ta personne, tu mets sur l'assiette, tu ne mets pas directement dans la marmite pour certaines personnes. Voilà, moi j'ai fait ça parce que je suis en direct. Mais je mets souvent une partie, je laisse souvent une partie... dans la poêle, d'accord? Ok. J'espère que vous êtes content, que ça vous a plu. Je ne sais pas combien, sur combien vous me donnez. Je ne sais pas combien sur combien vous me donnez là. Combien sur 10. Ça c'est fait déjà pour le riz. Vous me servez un peu, non? Oh, merci.
servi aussi un peu. Oui, elle est tendue au douté. Voilà. Alors, finish. J'ai fini. Je suis prête. La livraison était prête pour 15 heures. Prendre un peu et goûter, non? Hein? Ça sert à rien à quelqu'un sans goûter. Je ne suis pas fan de crevettes, hein? Je prends quand même prendre une seule crevette. Ouais, j'ai mon tendon ici, non? Mon tendon, là, vous fouillez ça, maintenant, c'est quand elle est servie. Quand elle est servie, que vous fouillez le tendon, là. On peut du le dessus des oignons. Ah, le loup. À la vapeur. Mais quand je vais servir, quand je vais vous servir au restaurant, c'est avec trop de. Hein, je ne vais pas mélanger, hein, c'est-à-dire je mets le plantain de côté, je me laisse sur un petit bol en jarre. Ah ah! Bene, bene! Voilà. Ça c'est fait. L'olive au feu. Le ndoulé, il faut le laisser toujours ouvert. Quand tu finis de préparer, il faut le laisser ouvert ou alors entre-fermé. D'accord? Parce que c'est une moutue qui se gâte aussi vite. On va aller au salon. On va aller au salon. Vous avez vu la finition, non? Hein? Vous avez vu, non? Mon ndoulé, non? Voilà. Vous avez vu dans l'assiette là comment c'est. Attendez. Vous avez vu non? Voilà. Quand tu vois comme ça, tu vois qu'il n'y a pas d'arachide. Il y a beaucoup d'arachide là-dedans. Beaucoup d'arachide. On va aller au salon. Alors, il va casser le téléphone. Téléphone, c'est résistant jusqu'à ça. Elle a reçu les coups de poing jusqu'à. Téléphone, c'est elle a reçu trop le coup de poing. Les gens, passez les commandes alors. La personne va venir chercher ça à 15h. Je peux être longue avec vous parce que là je vais manger. Mais mes enfants m'ont interdit, ils m'ont dit de ne plus manger devant vous. Donc, je vais vous dire au revoir. Merci de m'avoir accompagné pendant ma cuisine. Merci beaucoup de m'avoir accompagné. Et vous avez vu comment il est mon ndoulé. D'accord? Le ndoulé, l'arachide ne doit pas dominer. Le ndoulé ne doit pas dominer. Ça doit être juste, juste. Et quand tu manges, tu dois ressentir un peu le goût, un peu l'arachide, non, dans ta bouche. D'accord?
Bon. Je vais vous dire ici assez de sel, d'accord? Merde. Tu sens le... On appelle ça quoi? Tu sens le dolet. Tu sens la morue. Ah. Mince. Pas me valoriser moi-même, c'est vous qui devez me valoriser, donc je peux parler, trop parler c'est maladie. On attend. Tout ce que je vais dire, c'est que motiver, cotiser dans mon PayPal, cotiser dans qui veut cotiser chez Christian Monaco là-bas, afin que je puisse réaliser ce projet là et que vous venez découvrir par vous-même, c'est tout. Je ne veux pas trop parler encore. Parce que parle trop. On va dire que toi, tu te valorises trop. Hein? Moi, je ne veux pas trop me valoriser. Je vous dis juste merci d'avoir partagé. Continuez à partager. Contribuez dans mes PayPal. Continuez à me soutenir. Et puis, vous viendrez vous-même. J'ai ma soeur qui m'a appelé de la Suède hier. Qui me dit, maman Pépé, voilà. Je vais venir sur place découvrir moi-même ta cuisine. Ça fait plaisir. Même si c'est encore dans ma tête. Hein. Mais je suis contente déjà de savoir qu'il y a des personnes qui sont prêtes à se déplacer pour venir découvrir mes œuvres. Voilà, ce que je sais si bien faire. Alors, je vais vous dire comme ça, bon après-midi. Bisous, bisous, et puis ciao pour d'autres plats comme ça. Ça, c'est typiquement camerounais. Bisous, bisous, ciao, ciao, merci.